Bonjour les CP. Alors aujourd'hui nous allons continuer la lecture de Splat adore jardiner. Donc on a vu que le son E se fait soit E avec un accent aigu, soit ER, soit EZ. Donc vous vous souvenez que Splat s'ennuie un peu à la maison, il pleut et Harry Souris lui apporte une graine. Ils veulent savoir comment planter la graine parce qu'ils veulent savoir ce que c'est. Mais ils ne savent pas comment la faire pousser, donc ils vont à la bibliothèque. Ils rentrent ensuite en sachant comment faire, donc ils mettent de la terre dans un pot. Alors Splat vise à côté sur la tête de Harry Souris. Ensuite, il l'arrose et il arrose Harry Souris en même temps. Donc on va lire la suite. Splat regarde son pot de terre tous les jours. Il se demande quelle plante va sortir. Ce sera peut-être des roses. Là, il y a un point d'interrogation, donc c'est une question. Ce sera peut-être des roses ou un arbre qui va jusqu'au ciel. Splat en a marre d'attendre. Il chante des chansons à sa plante. Il lit des histoires à sa plante. Il compte les jours sur un calendrier. Vous avez vu, il plante les jours. Il a l'air un petit peu triste. Là, ça va faire 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines. 7 plus 7, ça fait 14. 2 semaines qu'il attend. Splat perd espoir. Donc ça, c'est perdre espoir, ça veut dire qu'il n'y croit plus. Il n'a plus le moral, il ne croit pas que ça va pousser. Il décide d'arroser son pot une dernière fois. Donc là, on le voit arroser une dernière fois son pot. On va voir ce qui se passe jeudi prochain. Donc, vous vous entraînez bien à lire fluidement ce texte. Ensuite, vous pouvez demander à papa ou à maman de chercher les mots, comme par exemple, montre-moi plante. Ici. Plante, il est ici aussi. Montre-moi chanson, ici. Montre-moi ciel, ici. Montre-moi jour, ici et ici. Montre-moi histoire. Montre-moi rose. Montre-moi peau. Terre. Bon, voilà, donc vous faites comme ça pour les mots. Il faut réussir à les lire assez vite. Et on se retrouve jeudi pour lire la suite. Donc maintenant, vous pouvez écouter la vidéo de Frédéric pour faire les questions. Bon courage !